Yahoo, dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve comme chaque dimanche depuis quelques temps maintenant. Ça fait déjà 3 week-ends en arrière qu'on a commencé ça. On se retrouve donc pour l'ouverture d'un album de K-pop. Alors, il en reste plus que deux après celui-ci à faire et je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire si surtout cette catégorie de vidéo vous aura plu. Est-ce que justement, si j'en rachète, je recommence, etc. Donc on doit être sur le dernier, voire avant-dernier album des EXO, je sais plus trop parce qu'ils en ont sorti deux quand même assez rapprochés avec Tempo et Love Shot, même si je crois que Love Shot en fait c'est plus une compilation, enfin un remaniage de l'album de Tempo, mais moi du coup je crois que j'ai pris Love Shot. Voilà. Alors oui, je me retrouve avec une fourchette parce que c'est la fourchette que j'utilise pour fixer en fait l'appareil photo sur le trépied et que j'ai oublié une fois de plus mes ciseaux. Mais ça, on est habitué, non? Voilà, c'est fait et donc on va découvrir tout ça ensemble et j'ai très très hâte parce que je sais plus quand est sorti l'album de cet album là, mais depuis en fait j'ai attendu pour l'ouvrir. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais regardé et comme tu peux le voir, tu as vu, il y a plusieurs couches donc de papier à bulles, à savoir donc du coup que c'est moi qui me suis acheté contrairement au dernier album. Donc je te mets bien entendu le lien de où je l'ai acheté dans la barre d'infos, comme ça tu sais que ce vendeur là, protection, blablabla, il est en bon état et tout. Et on avait quand même une bonne... Putain, il est plus grand que moi le papier à bulles. Ok, donc on attaque avec, donc on a l'album qui est ici et c'est bien Love Shot. On a le poster, c'est ça en fait qui fait planter un petit peu la caméra. Et donc deux cartes en plus qui ont aucun rapport avec, enfin, qu'importe, c'est pas la carte normalement qu'on a à l'intérieur. Donc on a Chagnol et je vais pas prononcer son nom parce qu'il est un petit peu compliqué. Je vais te le mettre ici hein, et puis ça sera plus simple. Lui, donc c'est un de mes chouchous vraiment et lui n'en fait pas partie vraiment. Si je le répète, c'est pas que je déteste les autres, c'est juste que j'ai une préférence pour certaines personnes par rapport à d'autres. Voilà, alors on va ouvrir le poster. Une fois de plus, je vais pas avoir assez de recul, donc je vais essayer de trouver l'image sur internet parce que ça sera un peu compliqué. Je me demande si les posters, je devrais pas filmer ça, l'ouverture, dans la pièce habituelle, mais voilà. Et que je n'ai pas envie de le casser. Voilà, j'ai failli en plus se faire tomber avec le parapluie. Donc, on va éviter. Je te mets l'image. On attaque donc avec l'album que voici, qui est donc magnifique, tout en noir. On a donc le CD qui est à l'entrée. Donc, il est présenté vraiment de la même façon que l'album de Léo. D'ailleurs, au cas où, la bague que je porte en fait à ce doigt-là, c'est une bague avec le nom de chaîne qui est ici. Donc c'est parti, je vais te laisser découvrir ça en musique et j'espère que la vidéo donc t'aura plu. We'll be right back.